petit-déj. Pendant moins 2 minutes, hein? Tu m'entends? Sarah, ton appareil dentaire est neuf et cette brosse à dents électrique m'a coûté une petite fortune. Alors, il y a intérêt à ce que ces dents brillent. Sarah, c'est compris? Ça va? Assieds-toi. Allez, les filles, on lâche rien. Première sur le ballon, les Strikers. Refais-moi un coup pareil et tu finiras sur le banc de touche. Quel coup? Je les ai baladées, tu rigoles. Justement, tu la joues perso alors que t'as 2 filles démarquées. C'est un sport d'équipe, Sarah. Essaye de pas l'oublier. Je la jouais pas perso. Je voulais savoir si j'étais capable d'en dribbler 3. Bah, maintenant tu sais. T'as été super, chérie. Ah ouais? Laurie a dit que j'étais qu'une égoïste. Et alors? T'as le droit de tenter le but, même si t'es marquée. T'es la meilleure joueuse de l'équipe. Elles sont toutes excellentes. Est-ce que t'as vu, Regina? Oh, égoïste, non mais vraiment. Tu verras, tout ça te paraîtra ridicule quand tu seras sélectionnée pour l'équipe nationale junior. Ils n'ont jamais retenu quelqu'un d'aussi jeune. Même Mia était plus vieille que toi. Et tu crois vraiment que je joue assez bien? Oh, Sarah, combien de fois il faudra que je te le dise? Tu as du talent, à peine 10 ans d'entraînement, et tu seras la plus jeune joueuse de tous les temps. Dis bonjour à ta mère de ma part et appelle-moi dès que tu auras une réponse pour l'équipe nationale junior. D'accord? D'accord. Pourquoi tu monterais pas lui dire bonjour toi-même? Il faut que je visionne le match d'avant-hier, on est passé en 4-4-2. Alors, vous avez gagné? On les a ratatinés et j'ai dribblé 3 filles avant de marquer. Super, tu t'es bien amusée. T'es lourde, maman. Oui, ma mère était lourde aussi. Bon, et sinon, pour tes devoirs... Je m'en occupe, mais il faut d'abord que je regarde mes mails. Ok, 10 minutes, garde un peu d'électrons pour le reste du monde. Nous vous remercions d'avoir participé aux épreuves de sélection de l'équipe nationale junior. Nos entraîneurs ont été impressionnés par vos qualités et votre talent, et nous espérons... Et nous espérons vivement vous compter à nouveau parmi les participants aux épreuves de sélection qui auront lieu l'an prochain. Sarah ? Laisse-moi tranquille.
Salut. Je suis sûre que ça ne vaut pas la peine que tu pleures. Si. D'accord, d'accord. Je t'écoute. J'ai pas été sélectionnée. Mais une partie de moi pense que c'est peut-être pas une mauvaise chose. Enfin, je suis mythique, mes raisins, en fait. Ah, je suis une idiote. J'aurais pas dû dire ça. Excuse-moi, ma puce. Et papa, je lui dis quoi? Les imbéciles. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent des joueuses plus jeunes. Je suis là. Sarah est bien meilleure que ses filles, Kevin. Je vais faire une réclamation. Oui, oui, je sais, je sais. Cathy vient de me jeter un sale œil. Écoute, si tu entends quoi que ce soit à propos de l'équipe junior, tu m'appelles immédiatement, d'accord? Ouais, bonne chance contre Stanford. Bon, mon emploi du temps vient de s'alléger. On va doubler les entraînements cette semaine. Salut! Je t'ai pas vu hier, t'as passé un bon week-end? Un ou deux mecs dont tu voudrais me parler? Mais bien sûr, Tootie, Brad Pitt est passé et Justin Timberlake m'a emmené faire un tennis. Hé, hey, les mecs, y a pas que ça dans la vie. Oh. C'est plus grave que ça. Qu'est-ce qui peut être plus grave que d'avoir jamais été embrassée à presque 16 ans? Mais si, j'étais embrassée. Arnie Muntenberger. T'avais 9 ans? Ok. Billy Tanner, en quatrième. Ah ouais, la fameuse fête d'Halloween, où il t'a prise pour Gina Carboni avant de gerber sur la table. Ce qui est plus grave, c'est que je n'ai pas été retenue dans l'équipe junior. Oh. Ben, regarde le bon côté des choses. C'est-à-dire? Maintenant, tu vas enfin avoir une vie. Ouais, génial. J'ai jamais vraiment compris l'intérêt d'un jeu où tout le monde court comme des hamsters hyperactifs. En plus, c'est bientôt le bal du printemps. Et je t'ai jamais vu aller à une soirée. Oui, comme s'il y avait une centaine de mecs qui se bousculaient au portillon. Il faut qu'on sorte plus souvent. Tiens, j'ai une idée. Reprends la danse avec moi. Allez, ce sera comme au bon vieux temps. Je vais être complètement larguée. Ça sortira très bien. Pas la peine de demander à ton père. Ramène-toi, c'est tout. Je vais y réfléchir. Très tendance. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on tend le bras. Et l'autre. C'est très bien tout ça. Allez les filles, lâchez-vous. Oubliez un peu les cours. Déhanchez. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1 et 2. C'est ça, continuez. Allez, 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 on se lâche. Sandy, tu es en retard. Voilà. Allez, on donne tout ce qu'on a. Et avec le sourire. Voilà, c'est ça, génial. Vous êtes trop sérieuse, Sarah. Relevez la tête, ma chérie. Voilà, c'est très bien. C'est plus joli avec le sourire. Oh, mademoiselle Tutti. Votre garde-robe vous vole la vedette, ma belle. Oui. Mettez-y du cœur, Sarah. Allez. Pas mal pour une reprise. Ah, c'est gentil, mais je me suis sentie un peu larguée. Il y a des auditions pour le spectacle cet après-midi. Vous devriez vous présenter. Vous croyez? Mm-hmm. Oh, ça me brancherait, oui. Mince, j'ai un match de foot. Eh bien, c'est dommage. Peut-être au semestre prochain. Les filles, on y retourne. Regardez ça. Oh, trop cool. Regina Ravello, cette nana, c'est une bombe. Ouais, tu m'étonnes. C'est carrément une torpille. C'est quoi, ça? Oh, c'est Sarah Davis. Une troisième, je crois. Oh, le boudin, t'as vu ça? C'est pas une bombe, c'est un pétard mouillé. Tu crois qu'elle s'est déjà fait draguer? T'as vu l'horreur? Surtout, fais pas attention à eux, c'est qu'une bande de ploucs. Des ploucs mignons et populaires. Je vois pas grand-chose de comestible là-dedans. Allons au buffet. J'ai jamais vu une nana pareille. J'ai entendu dire que sa mère était un babouin ou un truc dans le genre. Tu sais quoi? Je crois que ce mec a besoin d'un recadrage. Quoi? Ouais, Sarah. C'est ça, un bon recadrage. Je vais remettre les pendules à l'heure. Oh. Ouais, je t'assure. Salut, c'est moi, tu sais le pétard mouillé? On dirait que t'aimes les projectiles. Et là, c'est assez explosif. Ça va, Bill?
Mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous travaillons avec de l'acide bouillant, ce qui, comme vous l'imaginez, peut s'avérer très dangereux. Alors assurez-vous que celui qui le manipule utilise les pinces ainsi que les lunettes de protection. Soyez prudents. Pourquoi les garçons sont-ils si bizarres? Mettez-vous le nez. Ils ont un... Mademoiselle Davis, puis-je voir ce papier? Excusez-moi. Mademoiselle Zarkov et vous, vous vous êtes échangé des petits mots pendant tout le cours. Je suppose qu'ils ont un lien avec notre expérience. Non, pas tout à fait. Visiblement, le sujet vous intéresse plus que mon cours, alors voyons de quoi il s'agit. Dépêchez-vous. Une seconde, juste une seconde. Non, donnez-le-moi. Non, enfin si, mais... Monsieur Arthur, je crois que le verbe intéresser n'est pas tout à fait approprié. Il s'agit d'un sujet de recherche. Sarah. On cherche sur le comportement des différentes espèces. D'une sous-espèce, pour être exact. Oh, une sous-espèce. Magnifique. Je suis sûr que vos petits camarades seraient ravis de profiter de vos recherches. Donnez-moi ce papier. Vous savez, je... Sarah, ça suffit. Ouais, fais voir. C'est pas grave, Sarah. Donnez-moi ce papier. Non, il faut pas qu'il... Oh, mais faites-le... Zut, je suis confuse, je suis maladroite, c'est dingue. Mais vous avez raison, vous savez, pour l'acide. Oui, c'est vrai. Il est... Tout est parti. Ouais. Il n'en reste plus une miette. Non. On se voit à la fin du cours. Merci beaucoup. C'est quoi ce truc, c'est affreux. Le cocktail diététique de papa. Ah, je vois. Tiens, vas-y, goûte. T'as dit que tu goûterais avec moi? Oui, j'ai changé d'avis. Veux voir? Oh, j'ai peut-être pas mis assez de fruits. Je vais arranger ça. Ouf. J'ai entendu frapper, non? Eh ben, va voir. Délire, y a personne. Alors, voyons voir. Dis-moi si c'est mieux. Les idées de ton père ont toujours besoin de quelques arrangements. Tiens, d'ailleurs, comment a-t-il pris la nouvelle? Il a annulé toutes nos séances d'entraînement. Oh. Bah, tu sais, vous pouvez faire plein d'autres choses tous les deux. Comme quoi? Eh ben... Vous pourriez aller au musée d'art moderne ou voir une pièce de théâtre ou même un ballet. Oh, ah tiens, laisse-le t'emmener faire du shopping. Je déteste le shopping. Je ne sais jamais quoi acheter. Gilles. Oh, salut. Salut. Sarah,
Écoute ça, on t'offre une seconde chance d'entrer dans l'équipe nationale junior. Tu rigoles? Ils ont perdu une attaquante, elle s'est cassée le pied. Si tu veux t'entraîner, j'ai un peu de temps. Oui, j'arrive! Qu'est-ce que tu fais? T'as pas entendu? Elle a une seconde chance. Mais elle a un cours d'algèbre. Ouais, bah l'algèbre attendra. Tu sais, j'ai parfois l'impression que tu oublies que c'est une jeune fille de 15 ans. 15 ans et 4 mois. Et elle a de bonnes chances d'être la plus jeune. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que ça peut faire à la fin qu'elle soit la plus jeune joueuse de tous les temps? C'est important pour moi. Ah. Et pour elle. Suis-moi, s'il te plaît. Écoute, d'abord, les repas de famille ont disparu. Ensuite, les vacances se sont transformées en tournoi de football. Et depuis environ 2 mois, tu dors au bureau. Alors, moi, je passe mes nuits toute seule et Sarah n'a plus les yeux en face des trous, tellement elle est débordée. Donc, on va où comme ça? Dis-le-moi parce que là, je suis perdue. J'essaie simplement de faire des choses. Julia, notre fille adore le foot. Mais elle adore tout ce que vous pourriez faire ensemble. Elle a toute sa vie pour pratiquer un sport. Demande-lui ce qu'elle veut faire. Ça n'est pas aussi simple. On dirait que vous avez une discussion sérieuse. Ta mère pense qu'on pousse un peu trop loin avec le foot. Maman, je veux tenter ma chance. Je suis peut-être pas assez douée, mais je veux essayer. D'accord. Mais tu feras tes devoirs en rentrant de l'entraînement. Oh, si tu savais comme j'ai hâte. Plus ample dans le mouvement, Sarah. Mets-toi en position de shoot. Je te tiens par le bras et donne ta jambe. C'est ça. Bloque le genou. Faut faire le geste en une fois. Ça doit venir de la hanche, tu vois? Allez, recommence. Bien, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Allez. Allez, tiens-moi fort. Plus fort. Allez, garde ton bras en l'air. Ton bras. Fonce, Sarah. Allez, tiens-moi fort. Plus fort. Voilà. Allez. Allez, avance. Vas-y, allez. En une touche. Corner. But pour l'Argentine. Goal, 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 goal. Bravo, goal. Maintenant, fais-moi voir ce que tu sais faire. Quoi, par exemple? Oh, ciseaux ou dribble, ce que tu veux. D'accord. Est-ce que ça va? C'était pas un dribble, ça? Je sais. J'appelle ça la roulette folle. Comment va ton genou? Oh, j'en mourrais pas. En tout cas, t'es en bonne forme, tes mouvements sont précis. Faut juste que t'apprennes à t'ouvrir. Oui, je sais. Sois dynamique, crée de l'espace. Et oublie pas qui est l'entraîneur. Comment veux-tu que j'oublie? Ouais, c'est pour moi. Passé. Je suis allée courir, j'ai fait plus de 6 km. Oh, faut être dingue pour faire un truc pareil. Sauf si Tom Cruise et une boîte de chocolat t'attendent à l'arrivée. Oui, on peut toujours rêver. Tu joues au foot 7 jours sur 7? Tu veux bien m'envoyer un mail par mois pour me dire si t'es toujours vivante? Tutti, aucune fille de mon âge n'a jamais été sélectionnée dans Ouais, je sais. Mais je continue la danse avec toi. T'es sérieuse? Mm-hmm. Et j'ai décidé d'aller au bal. Et tu seras ma cavalière. Oh, excellent choix! Super, on va bien se marrer. Ciao. À plus. Bon, écoutez-moi. Vous avez fait une très bonne saison. Et vous êtes à votre top niveau pour les phases finales de la Coupe. C'était qui, ces personnes? Ils sont de la Fédération de football. Ils cherchent une remplaçante pour l'une des joueuses de l'équipe nationale junior. On serait tous très fiers qu'une fille de l'équipe soit choisie, mais pour l'instant, on doit se concentrer sur la Coupe de Californie. Quel que soit votre niveau en foot, surtout n'oubliez pas d'unir vos forces pour optimiser votre potentiel. Vous êtes une équipe. Hein? Très bien.
Allez, au travail. Ça va pas, non? Qu'est-ce qui te prend? T'es pas la seule à vouloir être sélectionnée, gamine. Ça, c'est ce qui s'appelle un tacle. Ouais. Tu t'entraînes dur. Tu devrais voir un match. Bah, j'en ai vu. Est-ce que ça va? Oh! Oui, c'est rien, t'inquiète pas. Ça fait des années que j'ai mal aux chevilles. Ben, tu... t'es une joueuse épatante. C'est gentil. Il est chouette, ton appareil. Oh, je travaille à temps partiel chez un photographe et le patron me le prête. C'est un numérique? Non, je suis de la vieille école, je retouche même pas les photos. Tiens. Merci. J'ai eu un appareil photo pour Noël. Ah ouais, tu photographies quoi? Oh, tout et rien, en général. Non, en fait, je l'ai même pas encore sorti de sa boîte, pour être honnête. Oh, tu devrais, ça change ta façon de voir les choses. Comment ça? Eh ben, ça ouvre une fenêtre sur un monde, sur des choses ou des personnes, ça change ta perspective, ta façon de voir. Je sais pas, c'est dur à expliquer. Non, je vois ce que tu veux dire. Ah, c'est mon père, il faut que je te laisse. D'accord, on se voit au barrage? Tu vas venir me voir? Ouais, pour le journal local. T'es une célébrité. Enfin, presque. Ouais, c'est ça. Waouh, t'as vu comment elles sont nettes, ces photos? Ah ouais. Les contrastes sont excellents. L'album va être top. Ouais. Hey, je vais déjeuner, tu viens avec moi? Non, j'ai des trucs à faire. D'accord. Tu pourrais l'inviter à la soirée. D'accord. J'ai rien dit. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on échange. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qu'on s'éclate? Tu transpires même pas. Je te déteste. Hé, hey, devine à qui j'ai parlé à l'entraînement. La ravissante Regina? Non, mais je la retiens. Elle m'a salement taclée. T'as déjà vu ce garçon qui a toujours son appareil photo à la main? Josh Anderson. Tu le connais bien? Comment il est? C'est un mec mystérieux. Ses parents l'ont envoyé en internat dans un bled en Asie. Il a sauté une classe, je sais plus laquelle. Un petit jeune. Oh, c'est un cerveau, ce mec. Et on échange. Allez, on s'active. Montrez-moi ce que vous savez faire. 5, 6, il est dans l'équipe de cross-country. Il prend des photos de tout ce qu'il voit. Mais pourquoi? Il t'intéresse? Moi? Je sais pas trop. Moi, je le trouve plutôt mignon. Mais il est bizarre, il est souvent seul. Je le trouve craquant. Ouais, carrément. Joli travail, la footballeuse. Toujours partante pour participer au spectacle? Oui, mais les auditions ont déjà eu lieu. Oh, il reste encore quelques rôles à distribuer. C'est vrai? Sarah, tu devrais y aller, ce serait trop fun. Les dernières auditions ont lieu aujourd'hui. Oh, je peux pas rater l'entraînement, c'est la Coupe de Californie. Eh bien, lundi, on commence les répétitions. Attendez, voyons voir. Je peux vous voir samedi après-midi à 17h30, c'est le seul créneau. Oh, c'est parfait. Je peux compter sur vous? Oui. Vous êtes sûre? Absolument. Oh, excellent. On va s'amuser comme des folles. Sarah, travaillez vos enchaînements. Et vous, mademoiselle Touti, travaillez votre garde-robe. Deux bananes split avec beaucoup de sauce au chocolat et encore plus de chantilly. Très bien. En fait, si ça vous dérange pas, je vais laisser Dougie s'occuper de vous. Parce que c'est lui le roi du banana split. Hein, Dougie, ça ne t'embête pas? Ma beauté, Dougie donnerait sa vie pour toi. Oui, allez, les bananas split suffiront.
Les bananas split, c'est par ici. Sylvain. Salut. Salut. Alors je me suis dit que, en repensant à notre conversation de l'autre jour, que... Excusez-moi, Sarah, pas de conversation privée au travail. Oh non, c'est un client, n'est-ce pas? Oui, J'ai pas d'argent sur moi. Ah, en fait, peut-être que vous voudriez goûter quelques-uns de nos parfums pour vous aider à choisir. Nous avons de nombreuses demandes pour la glace au gingembre et wasabi. Très bien. Très intense. Oui, et donc je me suis dit que peut-être tu pourrais venir avec moi faire un tour au parc où j'ai l'habitude d'aller. Il y a de très belles photos à prendre. C'est trop fort pour moi. Je vais essayer le goût sablé à la fraise. Et je me suis dit que si tu veux, tu pourrais m'accompagner. Oh, ça serait vraiment génial. Alors, vers 4 heures. Mais je termine le boulot dans une heure et après j'entraîne moi avec mon père et ensuite j'ai une audition à 17h30, alors ça me paraît un petit peu... Waouh, ouais, t'es débordée. C'est pas grave, c'est cool. Ce sera pour une prochaine fois. Merci de m'avoir fait goûter. Attends. Peut-être que je peux finir le travail plus tôt. Tu crois? Attends une seconde. Dougie, j'ai une course à faire. Est-ce que tu pourrais me remplacer? Tu m'as bien regardé. Tu sais bien que tes désirs sont des ordres, ma poupée. Merci, Dougie, tu es trop cool. Oh, je suis trop cool. T'es sûr que ça va aller? Ouais, Dougie s'en sortira très bien. Tourne à gauche. Quoi? Là? Ouais. Comment t'as trouvé cet endroit? Ce sont les œuvres de mon oncle. Il est un peu particulier. Apparemment, c'est de famille. Ah, et regarde celui-là. On dirait une danseuse. Ouais, c'est pas faux. Attends, bouge pas. Non. Sérieux, c'est génial. Tu plaisantes, j'espère. Non, c'est magnifique. Bouge plus. Non, je ne veux pas. T'es sérieux? Oh. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Attends, encore une. Bien ici. Ouais, j'adore cet endroit. On ressent bien l'esprit du lieu, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Toi au moins t'es pas une victime de la mode comme toutes les autres. Ces nanas, il faut absolument qu'elles portent le dernier truc tendance et qu'elles se baladent avec leur bande de copines. Oh, c'est tout à fait moi, ça ne se voit pas. Je les ai prises en photo pour l'album et elles passaient leur temps à raconter en détail leur vie amoureuse, c'était pathétique. Je te vois pas beaucoup à l'école. Je sais pas, je suis plutôt solitaire. Pourquoi t'es plutôt solitaire? Je sais pas. Peut-être que
Dans chaque pays où on a vécu, il n'y avait pas vraiment d'école, alors... Quand j'ai débarqué ici, ça a été un choc culturel. En plus, dans ma classe, ils sont tous plus vieux, ce qui est un peu bizarre. Ouais, je sais de quoi tu parles. Je suis la plus jeune de l'équipe, alors... Elles sont sympas, mais elles aiment bien me commander. Et pourtant, t'es la meilleure. Ben, je sais faire que ça, alors... Toi, t'as ton avenir tout tracé. T'es sérieux, là? Ouais, tu sais ce que tu veux et tu poursuis ton rêve. Non. Alors que moi, je choisis pas les choses que je fais. Elles me tombent dessus. C'est pareil pour moi, tu sais. C'est vrai? Oui, tout à fait. J'ai même fait des rêves dans lesquels je suis sur mon vélo et je dévale une pente. Et j'arrête pas d'essayer de freiner et rien ne se passe. Je peux pas m'arrêter. Je continue ma route de plus en plus vite. Et je... Enfin... Ma vie est hors de contrôle. Alors, de nouvelles fenêtres se sont ouvertes? Pour la photo, je veux dire. Ouais, viens avec moi. Mets-toi là. Ça marche. Je voudrais que tu restes juste là, comme ça. Mm-hmm. Ça te va? Allez. Très bien. On y va. Attention. Non, attends, d'accord. Comme ça. Et... Juste... Oh, c'est pas vrai. Je suis en retard pour l'entraînement. Faut que j'y aille. Merci. Ouais, je te raccompagne, viens. Au foot, tout va bien. Sarah adore faire des activités avec son père. Mais c'est que... Elle s'entraîne beaucoup trop, à mon goût. Et son corps se développe. Gilles lui fait faire des entraînements avec l'équipe pro. Tu sais, il va tellement loin avec elle que je ne vais même plus voir ses matchs. Enfin, bref, ouais. Pas terrible. Et il passe ses nuits au bureau, pour tout te dire. Oui, ben, je sais. Mais oui, je l'aime encore, mais je ne veux pas... Il faut que je te laisse. On se voit lundi? D'accord. Salut. Entrez. Bonjour, Julia. Bonjour. Je vous en prie. Merci. Oh, ici. C'est bon, vas-y. À moi. Vas-y. En défense, on reste groupés. L'arrière latéral, entre plis. Et shoot, allez, vas-y, Anthony. Tiens, bonsoir. Excuse-moi d'être en retard. Je suppose que t'avais mieux à faire. Non, mais le garçon qui s'occupe de l'album de l'école m'a pris en photo et j'avais aussi un cours de danse. Tu ne te rends pas compte de l'enjeu, ma fille. Si tu entres dans l'équipe nationale junior, tu pourras participer aux Jeux Olympiques et peut-être même à la Coupe du Monde. T'as tout le temps de t'occuper des garçons. Papa, je ne voulais pas... La vie est imprévisible, Sarah, c'est pas simple. Ça se passe pas toujours comme on l'a prévu. Alors mettons-nous au travail. On fait des passes! Julie va vers le but et joue plus vite! Je sens une petite baisse de régime. On va remédier à ça avec une séance supplémentaire dimanche, c'est-à-dire demain, à 8 heures précises. Oh, l'audition. Championne, t'as raté le travail de vitesse. Oh, papa, je suis obligée. C'était Kevin au téléphone. L'équipe nationale a besoin d'un buteur.
Ils choisiront celle qui aura marqué le plus de buts en coupe. Si tu veux que ce soit toi, tu vas avoir besoin de travailler ta vitesse. Départ sur la ligne, 10 allers-retours, 35 secondes. Salut. Personne ne court seul. Vélo à l'arrière de la voiture, je te raccompagne. Faut vraiment que j'y aille. Allez. Je suis en retard. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh non. Et du coup, j'ai raté l'audition. C'est ce qu'on appelle une dure journée. Demande une séance de rattrapage. C'était déjà la séance de rattrapage. Tu sais, chérie, il est grand temps que tu te poses les bonnes questions, je pense. Quoi? Tu veux vraiment consacrer autant de temps au foot? C'est pour l'équipe nationale, maman. Jamais je n'arrêterai le foot. Non, mais qui te parle d'arrêter? Mais tu pourrais jouer avec des filles de ton âge. Tu te rends compte de l'enjeu? Si tu es sélectionnée, tu devras déménager. T'as pensé à ça? Oui, je sais. C'est pas si loin. Écoute, excuse-moi, mais sur ce coup-là, ta mère a raison. Pourquoi tu voudrais déménager? Mais je ne veux pas, je... Oh, ça serait génial de participer à la Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques. Oh. Oui, c'est ça. Tu es obligée de prendre une décision aujourd'hui, quand même. Non. Alors, au fait? Merci, ah, compliment. Eh bien, merci. Il est venu me voir au boulot et on a discuté. Ouais, et? Et on est allé dans un parc plutôt bizarre et il a pris des photos de moi, de nous et... Et on a papoté. Oh, j'y crois pas, c'est sérieux entre vous? Non, pas du tout. Arrête, t'es carrément amoureuse. N'importe quoi, c'est la photo qui nous rapproche. Mm-hmm. Si, je te le dis. Bah, regarde discrètement, mais ton amoureux te cherche, on dirait. Salut. Salut. J'ai développé les négatifs et j'ai fait quelques copies. Elles sont vraiment belles, ouais. Vraiment. C'est cool. Alors, tu veux m'aider à développer les autres? Enfin, si t'as le temps seulement. Oui, tout de suite. Ouais. Ça t'embête? Non, pas du tout. Alors, c'est d'accord. Génial. Tu viens? Ouais. Oh, j'arrive même pas à voir ma main devant mon visage. T'es jamais venue dans une chambre noire? Non. Bon, attention, je vais rallumer. Elles sont très belles, tes photos. Oh, on a vécu là-bas un an ou deux. Un jour, on y retournera et on construira une école pour les enfants. Ah, les voilà. Regarde ça. Waouh! T'es vraiment très douée. Oh, bah,
C'est un peu comme toi et le foot, ça me prend tout mon temps. Tu vis ici ou quoi? Non. Mais au moins, je suis pas dérangé ici. Ah, les voilà. Regarde celle-là. Oh. Tu vois, l'appareil capture absolument tout. Même des choses que les yeux ne voient pas parfois. Comme ça, par exemple. Oh, c'est incroyable. Le journal voulait cette photo, mais je l'ai gardée pour l'album. Tu m'en veux pas? T'es une super bonne danseuse. Tu trouves? Ouais, je serais incapable de faire ça. C'est pas difficile. Ouais, parle pour toi. Non, je te jure, regarde. À toi. Hein? Quoi? Allez! Non, non, je... ici je peux pas. Bien sûr que si, regarde. Ah, oh, c'est pas vrai. Tourne. Ah, non, je suis complètement nulle. Non, tu étais presque, tu étais presque. Donne tes bras. Fais un tour. Faut que tu te détendes. Et après, tu fais ça. T'es déçu? Non, mais... c'était très bien. Tu crois qu'on pourrait refaire ça au bal du printemps? je parlais de la danse, bien sûr. Tu m'invites à la soirée? C'est ça? Oui. Hé, hey Josh, t'es là? C'est Terry, t'inquiète. Il vaut mieux que j'y aille. T'es sûr? Pardon. C'était qui, elle? Personne. Vas-y, championne, vas-y, montre-leur de quoi t'es capable. Dépêche-toi, Sarah, dépêche-toi. Bien joué, Sarah! T'as été fantastique, ma puce, fantastique. Il faut que je marque, papa. L'important, c'est de donner le meilleur de toi-même. Arrête de stresser. Continue à marquer tes joueuses et à frapper au but. Encore un et c'est bon. Allez, ne quitte pas les yeux. Allez, vas-y. Regina, transversale. Vas-y, ma fille, vas-y, continue. Oui, c'est ça. Sarah, passe à Regina. Allez, Sarah. Non, là, pas. Ici, ici. Sarah, reviens, reviens sur le ballon. Au milieu, Sarah. Prends la balle au milieu du terrain et transperce-les cette fois. Écoutez-moi. Vous m'avez entraîné au lycée, mais ici, c'est moi l'entraîneur, pas vous. Oui, mais tu lui dis pas ce qu'elle doit faire. Il faut lui dire. Si je lui donne des ordres depuis la ligne de touche, elle n'apprendra jamais à penser par elle-même. Et c'est ce qui lui fait défaut. C'est la Coupe de Californie, là. Hé, écoutez-moi. Même si c'était la Coupe du Monde, Gilles, sur ce terrain, vous êtes un père. Alors ne la guidez pas, contentez-vous de l'encourager. En plus, les techniques ont changé. Mettez-vous à la page, mon vieux. Penalty pour les Bleus.
j'ai rien, ma puce, c'est pas grave. La balle, ne porte pas trop la balle, ne porte pas trop la balle. Comme on a réussi ce tour de force. En tout cas, on peut faire beaucoup mieux. La semaine prochaine va être rude. Alors reposez-vous pour être en forme lundi matin. Oh, et apportez vos chaussures de course. On sait toutes que tu veux marquer des buts. Mais ça te ferait mal de passer le ballon? J'essaie seulement de gagner le match, tout comme toi. Et puis, c'est pas moi qui ai raté le pénalty. Je suis un slammer, je fais de la poésie à toute heure. La musique, c'est ma vie, matin, soir et midi. J'en sais rien. Attends, je regarde mon emploi du temps. D'accord. Oh, tu dis bien de se casser la figure. Me dis pas que tu prends ton ours en plus au lycée. Bah quoi, il aime pas être seul. Théo, il faut que je te raconte un truc. Raconte-moi tout de suite. D'accord. Ok, voilà. Tu te souviens du jour où on a vu le photographe? Tu veux parler de Josh? Oui. Oui. Salut, Regina. Il avait des tonnes de photos de moi en train de danser. Oh mon Dieu, il est obsédé par toi. Non, Touti, c'est pour l'album du lycée. Non, je rigole, personne ne prend de photos de moi, alors je suis jalouse. Vas-y, continue. Eh bien, on était dans la chambre noire. Toi et Josh Anderson, seuls dans la chambre noire. Et on discutait. Ouais. Ensuite... On a arrêté de discuter. Et il t'a embrassé, c'est ça? Touti. Oh, excuse-moi. Mais c'est génial. Et toi, tu l'as embrassé? Mm-hmm. Ouais, et comment ça a fini? Je l'ai vu ce matin et on a développé des photos. Et on va au bal ensemble. Oh, j'y crois pas, tu craques carrément pour lui. Oui. Je veux pas perdre de temps à claquer mon argent. Yeah, yeah. J'adore cet endroit, je m'y sens le roi avec vous, mes potes. Je suis nouveau ici, mais je me sens chez moi avec vous. Mes potes, je suis le roi de la rime et je fais pas ma frime avec vous, mes potes. Oh, où sont passés mes potes? Merci. Salut. Bonjour. J'ai... Enfin, c'est... Je sais que c'est pas mes oignons. T'as raison. Alors tais-toi. Écoute, je crois que toi et l'équipe, vous devriez lâcher un peu ça. Ah ouais? Je sais que tu crois qu'elle pense qu'à elle, mais c'est faux. Je vois, et depuis quand tu t'y connais en football, toi? Ouais, je m'y connais pas, mais je connais un peu Sarah, et... Enfin, c'est pas la peine de lui donner des ordres, elle joue pour l'équipe. Intéressant. Quoi? Toi? Toi qui prends sa défense, alors qu'elle, elle raconte à tout le monde que tu... que t'embrasses comme un naze. Ben, tu sais bien, dans la chambre noire. Elle a dit ça. Oh, j'ai fait une boulette. J'étais pas censée répéter, je crois. Salut. Sur les filles, à 3. 1, 2 et 3. Super. Regardez par ici, c'est ça, ouais. Super. Ouais, génial. Vous pourriez vous rapprocher un peu? Ouais, juste un peu. Voilà. Encore un petit peu. Ouais, on n'est pas là pour rigoler. Alors, souriez pas. Super. Maintenant, tournez un peu la tête par ici et regardez l'objectif.
deux, trois. Ouais, cool. Salut. Salut. J'ai du mal à comprendre, je croyais qu'on devait développer les photos aujourd'hui. Non, t'as bien compris. Bon, déplacez-vous un peu vers la droite. Tu veux qu'on remette ça tout à l'heure? Regardez par ici, vers moi. Non, je les ai déjà développées. Ah. Elles étaient nulles, je les ai jetées. Quoi, à la poubelle? Je savais pas que t'avais une petite amie, Josh. J'en ai pas. Les membres du club d'échecs... Merci, beau travail. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? J'en sais rien, à toi de me le dire. Peut-être que t'as besoin d'un recadrage. Moi? C'est pas moi qui ai un drôle de comportement. Je te demande pardon. Et si t'annonçais qu'on se voit dans la chambre noire par haut-parleur? Non, ce serait top. Qu'est-ce que tu racontes? Peut-être que tu devrais aller au bal du printemps toute seule. Je croyais qu'on était sur la même longueur d'onde, mais... Sur la même longueur d'onde? Ouais, j'avais tort. Bon, j'ai du boulot qui m'attend. Ah oui, traîner dans ta chambre noire pourrie et jouer avec tes puzzles! Lexi, tu changes avec Sarah. Sarah, tu sors. Est-ce que ça va? Ouais. Faut qu'on discute. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je suis fatiguée. J'arrête pas de m'entraîner. Ton père a été mon entraîneur pendant 4 ans. Il était très dur. Mais j'avais 20 ans et je savais ce que je voulais. Ce qui veut dire? Il faut que tu saches où tu veux aller avec ce sport. Ce qui va t'apporter. Mon père s'en charge. Oui, mais ça te regarde un peu quand même. Laurie, grâce à mon père, j'ai une chance d'entrer en équipe nationale. Mais si tu veux vraiment jouer à ce niveau, ne le fais pas pour ton père. C'est ce que je veux, Laurie. Je vais travailler un peu plus dur, d'accord? Tu sais toujours pas à quel point tu es douée. Il faudra bien, à un moment donné, choisir ta vie, Sarah, au lieu de la subir. Quoi de neuf, championne? Rien de neuf. J'ai quelque chose pour toi. Le commercial a laissé plusieurs paires. Qu'est-ce que t'en dis? C'est gentil. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Allez, mets-toi en place! Allez, papa! Ouais, vas-y! Allez, shoot! Oh, oh, joli coup! Attends! Pas terrible comme gardien de but. Non. Regina dit que c'est le seul Brésilien qui ne sache pas jouer au foot. Allez, t'as vu comme elle baisse la tête? Papa, quand est-ce que t'as su que le foot deviendrait le centre de ta vie? Oh, j'en sais rien. Vers 15 ans, j'ai arrêté le foot américain, je me suis mis au foot. Il n'y avait plus que ça qui m'intéressait. Plus rien d'autre ne comptait. C'est toujours le cas? Bah, j'aime bien penser qu'il y a des choses qui comptent plus que le foot, comme ma fille. Et maman? Sarah, écoute, si c'est ce qui t'inquiète, il n'est pas question de divorce entre ta mère et moi. On a seulement quelques problèmes à régler. D'accord. Allez! Tu disais, 15 ans, le foot. Il y avait de bons joueurs à l'époque. Pelé, Maradona, Beckenbauer. C'était des dieux sur le terrain. Toi aussi, t'étais un dieu, non? Bah, j'étais pas mauvais. Je sais. Quand je suis sur le terrain, je pense plus à rien. Je suis là et je fonce. Ouais, je connais. Mais t'as laissé tomber? Ben, j'ai pas vraiment eu le choix, ma grande. Allez, ma puce, tire! Vas-y! Bon, on a le droit de parler d'autre chose que de foot, pas vrai? Bien sûr. Oui, je sais pas, comme des choses qui se passent dans le monde. Si tu veux. Quoi, par exemple? Ben, il y a plein de choses, comme... Je sais pas, moi, Manchester United va peut-être vendre Wayne Rooney à la Juventus. C'est nul, papa. Bon, d'accord. Nul. Attends un peu, donne-moi une seconde. Allez, vite, rattrape-moi, vas-y. Oh, mais regarde-moi ça, ses bras partent dans tous les sens. Il faut qu'elle stabilise le haut, sinon... Papa. Quoi? Oh,
Hé, t'oublies pas quelque chose? À plus. Je t'aime, championne. Floride? Tu avais dit que l'équipe nationale s'entraînait en Californie? Oh, c'est un tout nouveau centre d'entraînement réservé aux femmes, avec des équipements neufs, des équipes médicales, tout le nécessaire. Tout le nécessaire, à 5000 km d'ici. C'est vrai, c'est un petit peu loin. Ah, et tu crois vraiment qu'on a besoin de ça? Tu te rends compte de l'opportunité? Pour qui? Elle joue au foot depuis la nuit des temps, Gilles. Pourquoi est-ce que tu n'attends pas un an ou deux? C'est maintenant ou jamais, Julia. Elle a l'occasion de jouer avec les meilleurs du pays dès cette année. C'est une occasion en or. Super. Comme ça, on vivra tout seul. Ne mets pas tout sur le dos du foot. Ça n'est pas le cas. Je veux savoir où ça l'amènera. J'ai du boulot qui m'attend. Tu sais que tu es belle à croquer aujourd'hui, poupée. Tu pourrais être top modèle. Ouf. Quoi? Qu'est-ce qui baragouine? Oh, c'est rien, il est gentil. J'ai l'habitude. Ah! Alors t'en es où avec ton amoureux? Je te trouve étrangement silencieux sur le sujet ces jours-ci. J'en sais rien. D'abord, il m'invite à la soirée et quelques jours après, il me laisse tomber. Bah, il y a des mecs qui sont un peu tordus. Alors là, pas moi, mesdemoiselles. Jamais de la vie, je ne me permettrai de vous manquer de respect. Si ça te dérange pas, on aimerait poursuivre notre conversation entre adultes. Il faut que t'ailles à cette soirée. J'ai fait toute la déco. Aucun garçon ne voudra danser avec une footeuse. Réfléchis, c'est évident. Sarah, t'es pas qu'une footeuse. Arrête. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Pointe-toi à la soirée comme si de rien n'était. Comme ça, Josh verra tous les autres mecs en train de te regarder. Et t'auras ta vengeance. Tutti, tu m'as vu? Mais t'es aveugle ou quoi? Laisse faire Tutti et ses doigts de magicienne. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hé! Panique pas, je te dis. Tu déchires dans cette couleur. Viens là. Coucou. Qu'est-ce que vous faites? Je fais une beauté à votre fille, Madame Davis. Mission impossible, pas vraiment? Pas du tout. Est-ce que je peux vous aider? D'accord, je suis ta mère, mais j'ai encore du goût, tu sais. Ben, un petit coup de main pour les vêtements serait le bienvenu. J'ai une petite idée. C'était une cause perdue. Vous en pensez quoi? J'ai porté cette tenue quand j'ai rencontré ton père. Madame Davis, c'est ce qui s'appelle la classe. C'est comme ça qu'il m'a remarqué. Et toi aussi, on va te remarquer, crois-moi. Oh, voilà ma jolie poupée. Elle est canon, pas vrai? Allez, viens, c'est parti. Ça va? Je suis venue avec mes potes et je m'attendais pas à vous voir ici ce soir, jeune demoiselle. Qui t'a permis de nous parler? Soyez gentille, accordez-moi une faveur. Faites votre entrée avec moi. Non, mais t'es pas sérieux là, j'espère. Attendez une minute, je voudrais juste... Laissez-moi entrer à votre bras et je disparaîtrai de vos vies pour toujours. Je vous demande pas de danser, pas trop. Pourquoi pas? Tu... Extra! Oui! Allez, venez. Oh. Alors, dis-moi, beauté, c'est quoi ton signe? Bon, écoute, mon élan de générosité envers les ploucs vient de se terminer. Tutti, la déco est géniale, j'adore. Je sais, appelle-moi la reine du bal. Wow, sois discrète. Là-bas sur ta gauche, il y a les frères d'armes qui se mordent les doigts. Ouais. Lucas. C'est qui? Elle est canon.
Elle joue au foot avec moi. Non, tu rigoles? Non, elle rigole pas. J'y crois pas. Il est où ton petit copain? Tu sais, celui qui prend des photos et qui embrasse comme un naze. De quoi est-ce que tu parles? Demande à ta copine, c'est elle qui me l'a dit. Viens, Paul. Arrête! Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tutti, je t'avais dit que c'était secret, tu m'avais promis. Mais je te jure que j'ai rien dit. C'est pour ça que Josh ne me parle plus, il croit que je raconte ça à tout le monde. Comment t'as pu me faire ça? J'arrive pas à le croire. Moi non plus, j'arrive pas à y croire. On dirait que tu ne veux pas que je sorte avec lui. Oh, t'es malade ou quoi? Pourquoi j'irais lui raconter ça? En tout cas, tu l'as fait. Écoute, peut-être que j'ai laissé échapper des trucs, oui, mais... Oui, c'est ça, sans faire exprès, bien sûr. Bon, ça suffit maintenant. Cette conversation ne mène nulle part. Je te souhaite une bonne soirée. Pas aux soirées. L'album? L'album, ouais. J'avais oublié. Tu es très jolie. Merci. J'avais peur qu'on dise que je ressemble à une victime de la mode. Faut que j'aille prendre des photos. Oh, attends. Je crois qu'il y a eu un petit malentendu entre nous. Tu vois, j'ai un peu peur que peut-être des choses ont été dites. Quand même, un naze. Je te jure que je ne sais pas qui a pu dire ça, mais ce n'est pas moi. Je veux bien le croire. Parfait. Et je suis toujours partante pour développer des photos. Sarah, ta vie se bouscule à 100 à l'heure. T'as pas de place pour quelqu'un comme moi. Je peux faire de la place. C'est gentil, mais je veux pas passer en dernier après tout le reste dans ta vie. Si tu rentres dans l'équipe nationale, que tu déménages... Oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Et comment va le jardin de Delila? J'y suis pas retourné depuis longtemps. Je peux te prendre en photo? Ouais, si tu veux. Salut. Salut.
Sarah. Je suis déçue que tu ne sois pas venue l'autre jour. Je suis désolée. Tous les rôles sont attribués pour le spectacle. Oui, je sais. Je voulais venir, mais j'ai... Ça ne s'est pas passé comme prévu. Eh bien, j'espère que tu vas reprendre ta vie en main. Relève la tête. Il faut que tu donnes le meilleur demain. Où tu les as trouvés? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu sais, ta copine, celle qui a de drôles de fringues, comment elle s'appelle déjà? Tutti. Ouais, c'est ça. Je l'ai entendue te parler au téléphone la semaine dernière, à propos de ce mec que t'as embrassé. Alors, tu veux dire qu'elle ne t'a pas vraiment parlé de lui? Non. Et j'ai dit des trucs à ton copain que j'aurais sans doute pas dû dire. Mais je pensais pas que tu serais aussi bonne cette année. J'ai engueulé Tutti à cause de ça. Je suis désolée. Ouais, c'est pas grave. Tu dois être super stressée, toi aussi. Moi? Je t'ai vu t'entraîner avec ton père. J'ai 5 frères et sœurs à la maison. Il a fallu que je le traîne jusqu'ici. Je joue au foot pour moi. Ça veut dire quoi? Quand je suis avec le ballon sur le terrain, c'est comme si la musique me portait. Un peu comme une samba. Et quand le match bat son plein, je ne fais plus qu'un avec la musique. Tu sais, je quitte le lycée en juin et je vais aller aussi loin que je peux avec le foot, que ce soit à l'université ou dans l'équipe nationale. Allez, viens. On y va. D'accord. Mais, samba ou pas, sache que j'ai autant envie que toi de monter dans l'avion pour la Floride. Très bien. Et voilà ton mec. Les gars, se bougent. Allez, allez, allez. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien avancer, prenez vos beignets avec vous si vous voulez. Bonjour. Monsieur Davis, vous êtes Monsieur Davis? Non, c'est pas moi, non. Enfin, si, mais c'est pas moi. Vous entraînez depuis longtemps? Oh, que oui. Cross, ça fait 9 ans. Foot, ça fait 21 ans. Waouh, c'est super. Allez, venez. Messieurs, soyez les bienvenus au séminaire d'entraînement spécialisé. Nous allons apprendre à nous prendre au jeu. Le thème d'aujourd'hui est « Comment transformer le sport pour que le sport vous transforme ?» Si je déménageais, ça te ferait de la peine? Eh bien, ils prennent le meilleur buteur? Alors dans ce cas, tu as de bonnes chances d'être retenue. C'est ce que dit papa. Ce serait tellement cool de participer aux Jeux Olympiques ou à la Coupe du Monde. Oui. Mais je crois que tu me manquerais. Et papa aussi. Et Tutti. Et puis il y a ce garçon, même si pour le moment ça ne mène nulle part. Un garçon? Oui, le... Oh, c'est pas grave. Tu sais, Sarah, je ne suis pas toi, mais... Si j'avais une telle décision à prendre... Il n'y a aucune décision à prendre, maman. Si je mets le ballon dans les filets, je pars. Mais je ne sais pas quoi espérer. Eh bien, je crois que c'est le moment d'écouter la petite voix intérieure. Celle qui te dit ce qu'il faut faire. Tu l'as déjà entendue? Peut-être, j'en sais trop rien. Fais-lui confiance. Et sache que, quoi qu'il arrive, je t'aime. Après le dîner, je te sers le cocktail diététique de ton père. Ah, celui dans lequel tu mets de la glace. Oh, je t'en prie, d'où tu sors ça?
le ballon, toujours Mia Hamm. Elle frappe et c'est dedans, au fond des filets. Hamm donne un but d'avance à son équipe. Sissi fait une pichenette vers l'avant, Brandy, et elle marque. But! Quelle superbe action de Brandy Chastain. Magnifique action collective qui donne l'avantage à notre équipe 3-0. Où est Sarah? Je sais pas, je croyais qu'elle était avec toi. Non? En tout cas, elle n'est pas là. Tu plaisantes, j'espère. Sarah? Sarah! Sarah! Elle a pris mon vélo. Je lui ai dit que je l'emmènerai. J'espère que tout ira bien. Bien sûr. Écoute. Je voulais te dire que... Je sais que j'ai un peu abusé ces derniers temps. À propos du foot, je veux dire. Un peu, oui. Je t'en prie. Désolée. Mais je fais un travail là-dessus. Je voulais que tu le saches. D'accord. C'est important pour nous, enfin non, pour Sarah. Je suis sûr qu'elle aimerait qu'on assiste tous les deux au match. Je crois que c'est au-dessus de mes forces. Salut, championne. Oh, tu m'as fait peur. C'est toi qui m'as fait peur à disparaître comme ça. Regina et moi, on est à égalité. Je sais. Un dernier petit conseil. Leur gardienne de but est grande, tire à ras de terre. Je parlais pas de ça. Il y a 14 filles qui comptent sur toi. Et moi aussi.
Joli coup, gamine. Merci. Ils sont là. Ouais, j'ai vu. Tu stresses? Ouais. Il faut qu'on fasse comme s'ils n'étaient pas là. Pensons juste à la coupe. D'accord, ça marche. Super. Salut. Tutti? Tu détestes le foot. Je voulais pas rater ton heure de gloire. Merci. Tu sais, au fait, pour l'autre soir... C'est pas grave. J'ai su ce qui s'était passé. Alors on est toujours amis? Tu rigoles? Cherche le mot ami dans le dictionnaire. Ils y ont mis notre photo. Allez, va leur botter les fesses. À vos ordres. Mesdames et messieurs, Jessica Meade. Sarah Davis. Ouais, bravo. Ouais, ouais. La reine Sarah, ouais, la reine Sarah. Ouais, ouais. Numéro 1. Ouais, numéro 1. 108 équipes à travers notre état ont participé à la Coupe de Californie Junior. Sarah, viens là. On a travaillé pour ça toute l'année, ok? Molly, je veux que tu prennes tout de la tête. Jess, impose-toi physiquement. Regina, utilise ta vitesse pour percer leur défense. Sarah, tu fais ton show et tout ira bien. D'accord? C'est le moment ou jamais. À trois, les Strikers. 1, 2, 3. Strikers! Est occupé? Oui, par toi. Ça, c'est une surprise. Une bonne, j'espère. Absolument. Asseyez-vous et calmez-vous.
Waouh, ça c'est une première. On sait jamais, elles joueront peut-être un jour pour moi. Et Sarah? Sarah est assez grande pour jouer avec les meilleurs. J'y suis peut-être... Allez, un peu fort. Je vais remettre mon équipe à un entraînement par jour. Tu es très jolie. T'es pas mal non plus. Le milieu de terrain doit avoir le contrôle du ballon. Vous avez remarqué qu'ils avancent leur défense. Ils essaient de nous piéger au hors-jeu. Alors faites attention et surtout parlez-vous. Quand on aura une occasion, faudra être prête. Sarah est notre héroïne. Que les Strikers gagnent ou perdent, moi, cette nana me fascine. Oh. Salut. Comment ça va? Salut. C'est qui, Sarah? Oh, Sarah, c'est ma cousine. Ouais, on est très proches. C'est essentiel d'être là pour sa famille. Tu crois pas? Si. Je t'en revaudrai ça. Je veux que vous donniez tout ce que vous avez, hein? Mettez de la rage dans votre jeu. C'est compris? Allez, on y va, c'est parti! Allez, on se
Ça s'est fini comment? Les Strikers sont marqués. T'aurais dû voir cette action. De qui? Sarah Davis. C'était trop top. Je vais aller là-bas. Sarah, ça va? Ouais, merci. Tu le méritais. Écoute, je suis sûre qu'un jour, on rejouera ensemble. Ouais, mais pas avant longtemps. Je crois que je vais faire une pause. Mes chevilles ont besoin de repos. Ok. Fais comme tu veux, gamine. Bonne chance. Toi aussi. Allez, allez, les garçons, allez! Papa! Non! À toi! Je suis si fier de toi. Merci. Alors, tu entres dans l'équipe nationale junior? Oui, papa, non! Oui. Merci. Maintenant, tu sais à quel point tu es doué. Hé, hey, Laurie, félicitations. Quelle que soit l'équipe que j'entraînerai, tu y auras ta place. D'accord. Oh, oh chérie, t'as été fantastique. Tu as fait un superbe match. À la fin, tu tenais la balle de match, non? Papa, le foot tient une très grande place dans ma vie. Et je jouerai pour eux un jour. Mais pas tout de suite. Il y a des choses que je ne veux pas manquer. On va continuer à faire des choses tous les deux, hein? Oui, absolument. Va prendre une douche, je te raccompagne. En fait, il y a un truc dont il faut que je m'occupe. Comment ça? Oui, tu nous rejoins pour le dîner? Ça marche. À ce soir. Nous? Oui, je dîne à la maison. C'est pas moi. Entrez. Salut. Félicitations. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, j'ai décidé de changer. Tu crois que j'ai pris la bonne décision? Ouais. Ouais, je crois que oui. Je pensais que tu serais en train de faire tes bagages. Non, mais je vais peut-être aider Regina. Attends, de quoi tu parles? T'as rien vu. Elle a marqué le dernier but, elle part pour la Floride. Quoi? Regina a marqué le but? Ce qui veut dire qu'elle... Alors tu restes? Je vais sortir mon appareil photo de sa boîte,
Je vais reprendre la danse, continuer le lycée et puis...